Après les premiers rushs que j'ai filmés pour cette vidéo, puisque on est le samedi 22 février, il est 17h. J'ai pas filmé grand chose depuis hier soir, je vous l'avoue. On est en plein dans le week-end d'Amil, qui est du coup, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est un week-end qui débute le vendredi soir à 19h et qui se termine le dimanche soir à minuit, enfin 23h59. Le but de ce week-end, en fait, c'est à la fin du dimanche soir, c'est d'avoir lu 1000 pages dans le week-end. Que ce soit du manga, du roman, que ce soit un livre, quatre livres, enfin bref, on fait ce qu'on veut tant qu'il y a 1000 pages qui sont lues dans le week-end. Et je m'y suis attaquée hier soir, je me suis attaquée quand même assez tard, étant donné que je suis sortie du boulot à 18h, le week-end d'Amil commençait à 19h, sauf que j'avais un rendez-vous à 20h. Bon, après c'était pour me faire les ongles, donc c'est pas non plus... C'était pas le rendez-vous du siècle, mais bon, ça m'a quand même pris une heure de ma soirée. Et bon, quand je suis rentrée, j'avais... mal à la tête, j'ai encore mal à la tête, mais ça c'est juste dû en fait à ma semaine de travail qui a été monstrueuse. J'ai bouquiné hier soir, je me suis choisi trois livres en fait pour ce week-end d'Amil, ils sont juste là. Le premier, je l'ai commencé hier, il s'agit de L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, c'est aux éditions Hachette Roman ça. J'ai lu la moitié pile poil hier soir, j'ai lu à peu près 150 pages hier soir juste avant de m'endormir. Et en fait, ben, clairement, ce matin, je l'ai fini. Et oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il était beau ce livre. Enfin, il était fluide, il était... Je connaissais pas du tout le résumé, je savais juste que tous les gens qui l'ont lu, en fait, l'ont trouvé beau. Voilà, la plume de l'auteur, je l'ai adoré. L'imaginaire, en fait, de l'auteur, j'ai trouvé ça génial aussi. On va suivre, en fait, Iliade, qui est une jeune fille, elle a 24-25 ans ou quelque chose comme ça, c'est une arrache-mot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une bibliothécaire qui a la... Enfin, c'est pas le fait d'être bibliothécaire, hein. Elle est bibliothécaire parce qu'elle est amoureuse des livres et tout ça. Mais en fait, quand elle lit un livre, qu'elle lit à voix haute, elle a le pouvoir en fait de faire s'envoler les mots des pages et qu'ils prennent la forme d'illusion de ce qu'elle est en train de lire. Donc je trouve ça juste, déjà rien que ça, c'était les descriptions et tout, j'ai trouvé ça magnifique. L'histoire qu'il y a derrière, parce que bon, forcément, c'est pas juste une histoire de conteuse de livres, conteuse d'histoire plutôt, on va dire. C'est Iliade en fait a été promise du coup à un membre de la famille royale, elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas du tout pourquoi, et elle doit se rendre du coup à la capitale. J'ai trouvé ce bouquin hyper beau, hyper fluide en fait, et à chaque fin de chapitre en fait j'avais envie de connaître la suite, et au fur et à mesure je me suis rendu compte que le bouquin, ben, je l'avais fini. Et voilà, c'était une bonne lecture, vraiment c'était une très très bonne lecture. Je vous montre le deuxième que j'ai attrapé. J'en ai pas du tout parlé dans un bookhaul parce que lui, il est passé à la trappe. Je ne l'ai pas commencé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Peut-être ce soir ou peut-être demain. Je sais pas du tout. Mais je me suis acheté le premier tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Et ben voilà, c'est mon deuxième petit manga sûrement que je vais lire en 2020. Parce que à chaque fois, j'essaye de trouver le tome 2 ou la suite en fait du maître des livres. Et ben, clairement, à chaque fois que je me rends chez Cultura ou à la Fnac, je tombe sur le tome 1 et sur le tome 15. Mais jamais sur ce qu'il y a entre. Donc ben, là, j'ai vu celui-là en fait et je me suis dit, celui-là, c'est la deuxième saga en fait qui me faisait grave envie en plus du maître des livres. Donc ben, voilà. Et le troisième du coup que j'ai attaqué tout à l'heure, il s'agit du tome 3 de Phobos. Alors j'ai pas lu beaucoup du tout parce qu'en plus c'est une belle brique. J'en suis à la page 54. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2, j'ai lu le tome 3
il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de janvier. C'est pas le tome 3 que j'ai lu, c'est le tome Origina. Du coup là, ben, je me lance enfin dans cette bricasse qui est le tome 3. Et pour l'instant, j'en suis encore à me rappeler en fait ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Donc après voilà, c'est tout frais, c'est tout... Ça va, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu cet été, donc ça remonte à pas si loin. Et au fur et à mesure des pages, je me rappelle tout, donc c'est bon. Je pense que je filmerai beaucoup plus demain. Parce que là aujourd'hui vraiment entre le sport ce matin, entre ma semaine de boulot, le sport ce matin, mon mal de tête que j'ai encore en sourdine, même si je suis pas, voilà, j'arrive à avoir les yeux ouverts, j'arrive à bouquiner, je l'ai quand même en sourdine, donc c'est pas le plus joyeux aujourd'hui on va dire. Mais du coup je pense que peut-être qu'il y aura d'autres petits rushs comme j'ai filmé juste avant sur le reste de la journée, je ne sais pas encore, vous verrez bien et moi aussi je verrai bien. Donc je vous dis à plus dans le week-end. Aujourd'hui, on est dimanche matin, il est 9h30 passé. Je suis debout depuis quand même un petit bout de temps, je crois que j'ai dû me lever, c'était 8h à peu près. Et j'ai fait que bouquiner depuis que je suis debout, donc c'est plutôt pas trop mal. Aujourd'hui c'est simple en fait, j'ai absolument rien prévu de ma journée, à part vlogger. Je dois faire aussi des photos pour Instagram et ça serait bien aussi que je m'attaque au montage de ma vidéo parce que ça fait 3 semaines que je l'ai tournée, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait le montage et il serait peut-être temps de le faire à force. J'ai préparé mon petit café. Salut Naya. Hier, la journée a été un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'après avoir été au sport, j'ai mangé, j'ai fait une petite sieste de 1 heure à peine, 1 heure, 1 heure et demie, je sais plus. Je crois qu'à partir de là, je vous ai un petit peu parlé, il me semble que c'est à ce moment-là dans la journée. Et ensuite de ça, je suis repartie faire quelques courses parce que voilà, il fallait que j'achète quelques trucs qui me manquaient chez moi. Eh bé, qu'est-ce que t'as ? Bon, c'est parti, c'est dimanche matin, elles sont en forme. Je suis rentrée. J'avais mon voisin qui n'avait pas arrêté de mettre sa musique de toute l'après-midi, plus des gens à l'extérieur dans le parking qui mettaient la musique à fond dans leur voiture. Donc clairement, comment vous dire que pour filmer et même pour bouquiner, c'était juste atroce. Donc ben, soit ce que j'ai fait, c'est que je suis allée toquer à côté, histoire qu'il baisse le son. Au final, à chaque fois que j'y vais pour lui dire de baisser le son, il arrête tout. Donc c'était parfait. Au final, du coup, je me suis remise sur mon lit et j'ai dormi. C'est-à-dire que j'ai dormi, je crois que c'était 18h et j'ai réouvert les yeux, c'était 20h30. Donc voilà, au final j'ai commencé ma nuit un petit peu plus tôt que prévu. À partir de ce moment-là, j'ai rebookiné un petit peu, donc Phobos. Je vous ai dit hier que j'avais une semaine assez éprouvante au niveau du boulot. Donc j'ai sombré et vu que je me suis quand même bien tapée de grosses siestes hier, ce matin je me suis réveillée en forme. J'ai lu 239 pages. Est-ce que je vais réussir à lire sur tout aujourd'hui? J'en ai aucune idée. On verra bien. Là, je vais m'y réattaquer. Je vais prendre mon café tranquillou. Il est 16h, on est toujours dimanche. Je vais pas vous en parler vraiment parce que c'est un tome 3. C'est logique, je vais pas vous dire, ah ben t'as, il se passe ça. Parce que voilà, c'est complètement différent du tome 1. Enfin, différent, il se passe beaucoup. Dans ce tome 3, dès les premières pages, il s'est passé énormément de choses par rapport au tome 1. Et j'en suis à la page 378. Donc j'ai quand même, vous voyez, vachement bien avancé. Je crois que j'ai lu peut-être les 2/3, je crois, en termes de pourcentage. Ouais, c'est ça, je suis à 61% du livre, donc
J'ai quand même bien avancé. Je l'ai mis en pause cet après-midi parce que je voulais avancer au niveau des pages. Et aussi parce que j'avais d'autres trucs à faire, c'est-à-dire que j'ai mangé, j'ai fait ma vaisselle. J'ai fait aussi quelques photos pour Instagram parce que bon voilà, pour l'instant il fait un soleil de dingue et une chaleur de dingue. Là j'ai ma baie vitrée qui est ouverte, c'est pour ça que j'espère que mes voisins ne vont pas arriver. Enfin mes voisins, les gens de ma résidence vont pas faire le bordel dans le parking avec la musique à fond comme ils ont fait il y a une heure. C'était génial. Mais bon bref, ça dure pas longtemps, on est dimanche et c'est normal, les gens vont dehors. Hein. Vous avez vu que par la suite j'ai lu une BD, j'ai lu le deuxième tome de Nin. Il me semble que j'avais lu peut-être le premier tome dans un week-end ami, mais ça commence à remonter il y a un petit peu longtemps quand même. Donc c'est de Darlo et Pilé aux éditions Kenes. Ce deuxième tome il est peut-être un peu moins bien que le premier parce que le premier c'était la découverte et puis la fin du premier tome m'avait laissé sur oh, je veux absolument connaître la suite. Celui-là il n'y a pas eu ça à la fin, même si bon il y a un petit truc qui fait que j'ai envie de connaître ce qui se passe après. On est très loin des dessins très doux et très enfantins en fait des carnets de cerises ou de la boîte à musique, enfin voilà ce genre de dessin on va dire plutôt. C'est plus sombre et c'est plus brouillon si on peut dire ça comme ça. Après je suis pas une pro de la BD, je suis pas une pro des dessins, donc voilà je... mais ça n'empêche que j'ai beaucoup aimé cette histoire et voilà ça se lit très très rapidement. C'est une BD de 64 pages donc ça se lit vite quoi. Et vous avez vu également que je me suis attaquée à l'atelier des sorciers. J'ai lu peut-être un quart du bouquin en vidéo et je l'ai terminé à l'instant, enfin il y a 10 minutes à peine. Petit coup de cœur pour ce manga, j'ai vraiment hâte de connaître la suite, j'en entends que du bien. Donc c'est comme le maître des livres en fait, je pense que c'est clairement les deux sagas. Je vais pas m'aventurer dans d'autres sagas de manga parce que voilà, j'ai déjà énormément de livres dans ma pile à lire, donc ça sert à rien de m'en rajouter 36 000 de plus en terre, surtout des mangas. Mais je pense que je vais vraiment me centrer sur le maître des livres et sur, pas du tout le maître, si, l'atelier des sorciers et également sur le maître des livres, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, donc celui-là, il est terminé. Il est que 16h, donc je pense que je vais pouvoir me réattaquer à Phobos. Je pense que je vais lire peut-être une heure et demie ou quelque chose comme ça. Il faudrait aussi que je m'attaque au montage de mon bouquin. Mais ça, je me dis que je le ferai peut-être quand il fera nuit. Je sais pas encore. De toute façon, moi, en général, quand j'ai des programmes d'établis, je... Voilà. J'ai pas spécialement un programme, genre il faut que je fasse ça, 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 dans tel ordre. Je sais qu'il faut que je fasse certaines choses dans la journée. Après, bon, bah, au fur et à mesure du temps que la journée s'écoule, je fais les choses. Donc, on est à pas à l'abri que je me mette au montage maintenant. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai fait le calcul du nombre de pages que j'ai lues. Et clairement, je peux dire que mon week-end ami est réussi, quoi, parce que je suis actuellement à 941 pages lues. Donc voilà, pour un week-end ami, on est dimanche et 16h. Je pense que les 59 pages qu'il me reste à lire avant la fin de cette journée, elles vont être lues sans trop de problèmes, donc je me réattaque à Phobos parce que même s'il me reste pas beaucoup de pages à lire pour valider le challenge du week-end à 1000, j'ai quand même grave envie de... Le mieux ce serait de le finir et dans l'idéal voilà, ça serait de... Dans l'idéal ça serait de le finir, mais le mieux voilà, c'est que je l'avance quand même un maximum parce que voilà, je suis trop fan de cette histoire. Il est 7h15. J'ai pas trop lu. Par contre, j'ai fait enfin le montage de mon dernier book haul. Donc bon, vous l'avez déjà vu puisque je viens de le publier en plus à l'instant. J'ai fait le montage, j'ai exporté la vidéo et j'ai publié en suivant parce que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais pas publié de vidéo. Donc je me suis occupée de ça cet après-midi. Je pense que je vais très certainement me remettre là-dedans et je vous retrouve plus tard. Je fais juste une petite pause. Il est, si ça veut bien, 22h11. Je rajoute en fait les 550 pages que j'ai lues de Phobos, le tome 3. Je suis actuellement à un total de 1117 pages pour ce week-end à 1000, mais parce que clairement en fait là je reviens pour vous dire que je l'ai validé, mais
je suis obligée de le finir ce soir. Je sais pas si je finirai avant ou après minuit, mais voilà, je voulais juste faire une petite pause dans ma lecture pour vous dire que j'avais réussi, que j'étais trop contente de moi et tout le blablabla, blablabla que je ferai certainement après, mais clairement, là, je ne peux pas m'arrêter à ça. Il faut absolument que je termine parce qu'il se passe des choses. Oh, mon Dieu, je vous en reparle juste après. Mais voilà, c'était la petite pause. À tout à l'heure. Non mais waouh, en fait, j'ai pas d'autres mots. Parce que il est 23h15. Et j'ai fini, faux boss. Voilà, il est fini. Et je pense très clairement que par rapport à mon état de fatigue, je vous en parle demain matin. Demain matin ou demain après-midi, je sais pas trop. Quand je trouverai un moment dans la journée, je vous ferai le bilan de ce petit week-end d'amis. Là, j'ai clairement envie de me poser devant mon ordinateur, de mettre Netflix, d'appuyer sur Play et de regarder Friends. Ouais, j'ai grave envie de faire ça. Avant de vous quitter, là, il faut que je vous dise combien de pages j'ai lu. J'ai lu très exactement, depuis vendredi soir, 1187 pages. Voilà. Petite fierté, c'est trop cool. Bon, mon petit manga, ma petite BD m'y ont quand même bien aidé. J'espère que j'aurai réussi à filmer quelques trucs assez potables quand même. Je verrai bien. Mais je vous dis à demain. You should just trust him. Thank you, Monica. Or you could follow him and see where he goes. Oh, that's what I would do. Forget mine. On est lundi après-midi. J'ai fini le challenge du coup hier, comme je vous disais. J'ai lu 3 livres. 4, pardon. J'en ai lu 4. Le premier, du coup, je reviens vite fait, c'est sur l'arrache-mot. J'ai adoré cette lecture-là. C'est vraiment, je l'ai lu d'une traite. Alors pas d'une traite parce que je l'ai commencé vendredi soir. J'ai lu la moitié, en une heure à peu près ou quelque chose comme ça. Le lendemain matin, avant de partir à mon cours de sport, il était fini. C'est, voilà. Il se lit tout seul, il se lit très très facilement. Et c'est beau, en fait. C'est beau. La plume de l'auteur, du coup, elle est superbe. Voilà, belle petite découverte avec ce livre. Ensuite, j'ai lu, je ne l'ai pas attrapé parce qu'il est rangé derrière, mais j'ai lu le deuxième tome de Nin. En suivant, j'ai lu le premier tome de l'Atelier des sorciers. C'était une belle petite lecture. Voilà, c'est un manga, donc ça se lit assez rapidement. Je l'ai lu en même pas une heure, en fait, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce manga. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de tomes. C'est pas comme le Maître des livres où il y en a 15. Là, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Quelque chose comme ça, enfin bref, donc du coup c'est beaucoup moins que le Maître des livres et j'ai très très hâte de pouvoir connaître la suite. Et pour finir, celui sur lequel j'ai voulu absolument passer ma soirée hier, c'est le troisième tome de Faux Boss. J'ai le quatrième tome en ma possession, donc clairement je pense qu'avec tout ce qui se passe à l'intérieur de ce livre, je ne peux absolument pas dire quoi que ce soit à propos de ce bouquin au niveau des personnages, parce que ça... Il se passe tellement de trucs, je ne peux absolument rien dire. Le seul truc que j'ai trouvé dans ce bouquin par rapport aux autres, c'est qu'il était beaucoup plus sombre. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus sombre que les deux autres. Et même, j'avais lu le tome Origine avant de lire celui-là. Et c'était vraiment pas mal parce que du coup, à l'intérieur de ce livre, par moment, on a des petits cuts au niveau de la chaîne Genesis. Et ça nous renvoie en fait vers des chapitres qu'il y a dans le livre Origine. Donc le fait de l'avoir lu avant de m'attaquer à celui-là, ben voilà, ça m'a pas frustrée de ne pas avoir les chapitres qui sont cryptés dans ce bouquin-là pour, voilà, juste toi pour t'influencer, pour acheter Origine et lire Origine, quoi. Cette saga, c'est de surprise en surprise et positivement parce que j'aime de plus en plus. Alors il me reste qu'un tome à lire et clairement je pense que ce tome-là, je vais pas faire... Je vais pas atteindre 3 plombes avant de le lire, parce que vraiment là, la fin, peut-être les 50 dernières pages de ce bouquin, j'étais là mais voilà pour mon challenge de week-end à mille. En tout cas, ça faisait très longtemps que j'avais pas vlogué un challenge, que ce soit le week-end à mille, la semaine à lire, ou je crois que le dernier aussi que j'avais fait, c'était au mois d'août, c'était genre 7 jours, 7 livres, un truc comme ça. J'adore faire ça, donc clairement
J'étais très contente d'avoir un week-end de libre sans rien de prévu parce que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé aussi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pu faire le week-end d'Amil, moi, de mon côté, même sans pouvoir le filmer. Donc là, je suis assez contente de moi parce qu'en plus de ça, je l'ai bien réussi et j'ai réussi à vlogger tout ce petit week-end. Donc j'espère que de passer ces quelques jours avec moi, même si j'ai pas énormément filmé, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez envie que je filme comme ça de temps en temps, des vlogs, enfin voilà, ou des occasions particulières, ou certaines vidéos en particulier, n'hésitez pas à partager tout ça. Si vous avez fait le week-end d'Amil, vous également, dites-moi si vous avez réussi ou pas. Après, le but, c'est pas de... Il n'y a pas de, de honte ou quoi, si on réussit ou si on réussit pas. Le seul but, en fait, c'est de profiter et de lire un maximum. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.